Bonjour à tous, bonjour Roland Jacquard. Bonjour. On va essayer de mieux comprendre avec vous ce qui s'est passé mercredi au journal Charlie Hebdo. D'abord, première question évidente, l'attentat islamiste ne fait aucun doute. Bon, ça fait absolument aucun doute. La revendication, ils ont été reconnus formellement. Le parcours ancien des deux terroristes, dont on sait aujourd'hui que l'un au moins a eu des contacts avec l'organisation Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui dépend d'Al-Qaïda historique, dirigé autrefois par Oussama Ben Laden et aujourd'hui par Ayman al-Zawahiri. Donc on connaît bien leur profil. On connaît bien leur profil, qui est un profil classique de police judiciaire, c'est-à-dire des petits délinquants qui ensuite ont été récupérés par une frange de la nébuleuse terroriste. Alors, vous parliez d'Al-Qaïda, on a aussi beaucoup parlé de l'État islamique. Quelle est la différence entre les deux? De qui se revendiquent-ils? Alors, eux, ils se revendiquent, à mon avis, plutôt d'Al-Qaïda historique. Il y a des preuves de cela. Et je voudrais vous donner une information importante, c'est qu'ils faisaient partie d'un groupe, il y a quelques années, qui, en France, a essayé de faire évader de prison un des responsables des attentats de Paris contre le métro du RER du musée d'Orsay dans les années 95. Et le chef du commando à l'époque de cette opération, il s'appelle Saïd Ben Ghalem. Et aujourd'hui, depuis le 24 septembre, il est sur la liste, le seul Français qui est sur la liste des terroristes les plus recherchés dans le monde par les services américains. Il se trouve aujourd'hui soit au Yémen, soit en Syrie. Est-ce que cet attentat a été vraiment commandité? Alors je pense que ce sont des gens qui ont entraîné les deux frères, qu'ils ont entraîné à la Kalachnikov, qui leur ont donné les moyens également de faire des surveillances probablement sur les victimes, et qui en plus, ce sont des gens qui ont reçu des instructions. Parce que je suis sûr de ce que je vais vous dire aujourd'hui, malheureusement, Ayman al-Zawahiri, après les caricatures dans Charlie Hebdo, avait fait une vidéo, il avait fait des textes écrits qui avaient circulé dans la nébuleuse djihadiste, dans lequel il demandait de venger absolument, et il attaquait même précisément le dessinateur Cabu. Donc je pense que ce sont des gens qui ont reçu un ordre, comme la mafia en donne, vous devez exécuter ces gens, et on leur a donné les photos, et on leur a dit de faire cet attentat horrible. Mais par quel canal passent ces ordres ? Alors ça peut être ils ont pu avoir ces instructions lors d'un contact, parce que ce sont des gens, pourquoi ils n'ont pas été repérés auparavant? Parce qu'ils n'étaient pas dans le radar habituel des services antiterroristes. Ils n'ont pas utilisé l'Internet, ils n'ont pas utilisé les réseaux sociaux, ils n'ont pas eu de contact téléphonique, il n'y a eu que des contacts physiques. Donc on a pu leur donner des instructions, des cours quand ils sont allés, au moins l'un d'entre eux, au Yémen en 2011. Ensuite, on leur a donné les instructions. Et ensuite, on leur dit, vous avez le temps de le faire, vous le ferez quand vous pourrez, et simplement, vous devez le faire. Et c'est pour ça que ce genre de terroriste est beaucoup plus dangereux que les terroristes classiques d'aujourd'hui, même qu'on le voit, parce que cela, on peut les repérer sur l'Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, justement, les services se sont trop focalisés sur Internet, sur la traque sur Internet? On a été noyé, si vous voulez, sous le flot d'informations avec les filières djihadistes vers l'Irak, vers la Syrie, la surveillance de l'Internet, 90 interpellations dans ce domaine, plus de 1000 Français qui sont impliqués dans ces filières. Et pendant qu'on se préoccupait trop, à mon avis, du danger externe qui allait revenir sur la France, on a un peu négligé l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne qui se trouve sur notre territoire et qui ont agi en quelque sorte comme des agents dormants, puisque depuis 4 ans, ils n'étaient plus du tout dans les radars de la police. Ce qui surprend, c'est qu'ils avaient l'air très professionnels et puis ils oublient une pièce d'identité dans leur voiture. Ça paraît bizarre. Oui, alors pour beaucoup, ça paraît bizarre. D'abord, deux choses ont paru bizarres à un certain nombre d'experts et d'enquêteurs, c'est qu'ils portaient des cagoules. Alors pourquoi porter des cagoules? Parce que d'habitude, les terroristes salafistes ne portent pas de cagoules. Au contraire, par un désir de provocation, ils veulent montrer leur visage. Donc pourquoi ils portaient des cagoules? Alors il y a deux possibilités, soit parce qu'ils avaient l'intention de refaire des attentats assez rapidement, et donc ça veut dire que ce sont des gens d'une extrême dangerosité, sont aussi portés une cagoule parce que on leur avait demandé de le faire pour rappeler peut-être les décapitations en Irak ou autre. C'est une autre possibilité. Et l'autre chose qui intrigue, effectivement, pour les professionnels, ils oublient une pièce d'identité dans une voiture. Or, généralement, comme dans la mafia, quand il y a une exécution qui est faite, eh bien, les tueurs, généralement, ils viennent sans aucun papier d'identité.
Il y a un mode opératoire aussi qui est différent. On connaissait les bombes, on connaissait les kamikazes, les armes automatiques, c'est nouveau. Alors, est-ce que ça traduit quelque chose, justement, de nouveau ? Justement, on s'attendait malheureusement à des attentats plus sophistiqués, soit des prises d'otages, soit des détournements d'avions, soit des engins explosifs, soit même des kamikazes. Et là, on s'aperçoit qu'on a un terrorisme de masse, puisque c'est fait pour tuer avec un terrorisme, avec des armes qui sont faciles à se procurer, des kalachnikovs. Je vous rappellerai que, par exemple, Nedim Nemouche, qui avait fait les attentats à Bruxelles, qui a été arrêté à Marseille, il avait dans son sac une kalachnikov. Il y a quelques mois, on a arrêté deux frères à Vaux-en-Velin qui avaient des kalachnikovs. Il y a probablement aujourd'hui des stocks de kalachnikovs qui sont destinés à des groupes de terroristes de ce type. Mais donc il ne s'agit pas de gens qui reviennent du djihad en Syrie ? Il ne s'agit pas pour l'instant de gens qui reviennent du djihad en Syrie. Ce qui est incroyable dans la lutte antiterroriste aujourd'hui, c'est que toutes les affaires de ces, disons, 10 dernières années montrent que les terroristes les plus dangereux sont ceux, justement, qui avaient disparu des écrans de la police, qui avaient subi une formation, qui avaient ensuite avaient disparu à droite et à gauche et qui se sont reconstitués à un moment donné pour faire un attentat commandité. Ça, c'est la première vague. Malheureusement, dans l'état de la menace terroriste, dans les mois ou les semaines qui viennent, peut-être, il faut s'attendre malheureusement à une dangerosité à partir justement de nouveaux terroristes qui, ceux-là, vont revenir des combats du djihad en Syrie et en Irak. La France est le premier pays touché. Est-ce qu'elle est aussi le pays le plus visé ? On est un des pays les plus visés, et ce depuis longtemps. Je vous rappelle que ces 6 derniers mois, les services antiterroristes ont empêché au moins deux attentats importants, que ces 7 dernières années, on a empêché au moins 20 attentats importants, dont certains, je peux vous le dire, dont un l'année dernière, qui était destiné dans un endroit public et qui a été arrêté de justesse. Et quand on lit les échanges de correspondance entre le terroriste arrêté et ses commanditaires qui se trouvaient en Algérie, ça fait froid dans le dos parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'avait aucune connaissance des gens qui lui donnaient ses ordres et qui simplement, par mail et par Internet, recevait ses instructions. Donc aujourd'hui, la France, malheureusement, nous avons Al-Qaïda Maghreb Islami qui continue à nous menacer fortement, selon les juges d'instruction antiterroristes. On a la nouvelle filière qui vient de Syrie et d'Irak. Et on a ces réseaux qui ont été recrutés à un moment donné par des gens proches d'Al-Qaïda historique, dont un groupe qui s'appelle le groupe Khorasan, où il y a de nombreux Français, et qui est manipulé par Al-Qaïda et qui va chercher à faire, à mon avis, un certain nombre d'attentats en Europe, en Angleterre et en France, malheureusement. Merci.